Salut à tous, c'est Quincy. On se retrouve aujourd'hui sur Planète Zoo pour un nouvel épisode de notre parc du Lyonnais. Alors, épisode un peu différent cette fois-ci parce qu'on arrive à un passage, enfin, un moment de cette série où on va finir plus ou moins les décorations du zoo dans son ensemble. Et donc, c'est beaucoup de décorations, beaucoup de placements d'objets et de petites créations comme ça à droite à gauche. Du coup, ces 2 heures de live vont être condensées en une sorte de gros time-lapse, comme ça ira un peu plus vite pour vous, vu que ça reste dans l'ensemble très répétitif, mais au moins on avance, il va rester encore quelques lives. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a le DLC, le nouveau DLC qui va arriver eh bien dans la journée. Quand vous regardez cette vidéo, ce sera aujourd'hui, le DLC qui arrive donc le 4 octobre. Et qui va nous proposer non seulement quelques nouvelles espèces, on verra si on en installe une ou deux peut-être dans le zoo, alors qu'on avait dit qu'on avait fini, mais bon, il reste un peu de place. Donc on peut encore en installer une ou deux, ça pourrait être l'occasion de faire ça. Mais surtout, on va avoir une mise à jour gratuite qui va être aussi très très bien, parce qu'elle va apporter une certaine modification d'un outil, qui va être qu'on va pouvoir avoir une rotation automatique et aléatoire des objets quand on les pose. Et ça veut dire que ça va nous permettre de faire de la décoration. Alors je ne sais pas exactement comment ça marche pour l'instant, mais a priori ça s'annonce très bien parce que ça va permettre de certainement faire beaucoup de décorations très rapidement et de façon très aléatoire, donc très très sympa. On va passer moins de temps à essayer d'orienter les cailloux ou les autres plantes comme ça va être beaucoup moins répétitif et ça risque d'être très 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 rapide pour créer des grandes scènes ou des décors assez somptueux. Donc on verra ce que ça donne dans les jours qui viennent. En attendant, je vous laisse avec donc ce petit time-lapse et en espérant que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, les commentaires comme d'habitude. On se retrouve très bientôt. En attendant, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Thank you.
Hum.